Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans l'entretien business de la semaine. Et aujourd'hui, coup de projecteur sur l'éclairage innovant au Maroc en compagnie de mon invité Karim Eraqi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Lumisphère. C'est une entreprise spécialisée dans les appareils d'éclairage innovants et surtout économes en énergie. Donc bienvenue. Nous allons commencer par votre parcours. Vous avez commencé dans la finance de marché avant d'intégrer un grand groupe français de luminaires, d'éclairage, pour in fine créer votre propre entreprise. Parlez-moi brièvement de ce changement de cap, justement, de la finance vers l'éclairage innovant. Ça s'est passé simplement, naturellement. C'était un passage qui s'est fait absolument naturellement. J'ai profité d'une opportunité qui m'a été offerte par un client de la finance, à savoir créer une structure innovante au Maroc qui permettrait de proposer des solutions d'éclairage. Alors, à qui proposez-vous justement ces solutions d'éclairage, Karim Eraqi ? Aux industriels et aux tertiaires, plus précisément la grande distribution. D'accord. Alors, est-ce que le fait justement, donc vous étiez directeur général de cette entité française qui était installée au Maroc, avant de pouvoir, cette année en tout cas, créer votre propre entreprise. Pourquoi ? Pour des raisons stratégiques pour des raisons stratégiques parce qu'il fallait également se diversifier. Le marché parfois bascule vers un secteur plus qu'un autre et il vaut mieux avec la société française avec laquelle je travaillais, on était spécialisé dans quasiment un seul secteur. Donc ça nous permet aujourd'hui de basculer en fonction de la demande du marché d'un secteur à un autre, par exemple du tertiaire à l'architectural, à l'industriel, l'agroalimentaire également, c'est une industrie, mais c'est spécialisée. Donc quoi enfin, quand vous parlez d'agroalimentaire, est-ce que c'est une spécialité dont vous parlez de votre entreprise ou que vous visez également que, L'agroalimentaire, par exemple, demande des luminaires qui sont risque photobiologique zéro, que l'ancien groupe avec lequel je travaillais ne faisait pas. Donc il faut savoir s'adapter aux différents types de demandes qu'il y a sur le marché. On ne peut pas rester focalisé sur un seul type de demande. Et c'est également mon ambition d'élargir l'activité et de me challenger de manière, je voulais absolument grandir en fait la société, ne pas rester sur le même secteur, c'est-à-dire que je voyais les possibilités et j'avais envie de m'évader sur d'autres secteurs. Donc, comment vous évaluez justement le secteur aujourd'hui de l'éclairage innovant au Maroc, en l'occurrence avec l'ambition du Royaume à devenir efficace énergétiquement, à consommer beaucoup moins d'énergie? Comment évaluez-vous le marché aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un marché qui est clairement porteur, avec la volonté de Sa Majesté de propulser tout ce qui est éclairage efficace énergétiquement et donc éliminer les sources énergivores du marché. Donc oui, le marché est très porteur. Donc que ce soit dans le secteur public, avec l'éclairage public de manière générale, où les appels d'offres, on les voit en ce moment, se multiplient, et que ce soit également dans le... Et même, pas que dans le marché public, je veux dire l'éclairage public, mais également avec tous les projets qu'il y a, les hôpitaux, etc. Tout ça se fait avec des sources, ce qu'on appelle LED, qui sont des diodes qui sont très peu... qui consomment très peu d'énergie. Et maintenant, tous les marchés publics sortent en cette source-là, en LED. Donc effectivement, que ce soit le marché public ou le secteur privé, par exemple les industries ou la grande distribution, qui utilisent de l'éclairage en fait quasiment 24 heures sur 24, ont conscience de la baisse du coût énergétique en remplaçant les sources existantes. Donc aujourd'hui, cette conscience, elle est de plus en plus répandue, ce qui fait que la demande augmente énormément. Le tout, c'est de réussir
à s'adapter et avoir un pas d'avance sur le marché et de préparer cette demande à l'avance de manière à pouvoir y répondre le jour où elle apparaît. Alors au-delà de la préparation justement en amont, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui au Maroc on a cette offre certes et en tant que fournisseur de l'État, en tant qu'entreprise qui travaille justement avec l'État, comment jugez-vous cette relation justement entre l'entrepreneur et le client qui est l'État? C'est une question qui est un peu difficile. Il ne faut pas trop critiquer nos clients, l'État, parce qu'ils nous font vivre quand même, mais il y a des choses qui doivent évoluer, qui doivent changer. Telles que Les délais de paiement, clairement. Je ne réfléchis même pas, je le dis tout de suite, les délais de paiement sont extrêmement longs, ils sont extrêmement compliqués. Il y a une absence parfois de prise de décision qui est dangereuse pour l'entreprise et également pour l'État lui-même. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, il y a une espèce de phénomène de sélection naturelle des entreprises qui répondent aux appels d'offres de l'État. C'est celles qui arriveront le mieux à gérer la paperasserie administrative, entre guillemets, qui vont répondre. Alors que les très bonnes entreprises qui ont la capacité de répondre, mais qui n'ont pas l'habitude de la machination administrative, de la machine administrative, ne répondront pas. Donc ce ne sont pas forcément les meilleures entreprises qui répondront aux appels d'offres les appels d'offres publiques. Et cette sélection naturelle, elle se fait de plus en plus. Parce que les meilleurs, ils savent que leur travail est bon et ils savent qu'ils seront payés s'ils travaillent avec le privé. Donc ils ne s'embêtent pas à aller travailler parfois avec l'État. Donc il y a une sélection qui est complètement naturelle. C'est la même chose, c'est comme le marché de la voiture d'occasion. Quand vous avez une voiture d'occasion qui se vend bien, parce qu'elle est en bon état, etc., il suffit que vous mettiez 2-3 voitures d'occasion qui soient pas bien au milieu de celles qui sont bien, toutes les autres voitures d'occasion qui sont bien, leur valeur va se voir diminuer. Et bien c'est la même chose le marché public. Les bonnes entreprises, elles ne répondront aux appels d'offres publiques que si les appels d'offres publiques sont sûrs et les délais de paiement sont raccourcis. Alors dans vos perspectives de croissance, l'Humisphère peut-elle un jour devenir son propre fournisseur ou en tout cas produire ses propres produits parce que vous importez l'essentiel de votre marchandise. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une ambition de créer et de fabriquer Made in Maroc? Bien sûr, nous avons déjà entamé une production nationale. Il existe déjà une production nationale pour tout ce qui concerne l'éclairage public. Aujourd'hui, donc, de toute manière, nous avons été amenés de manière quasiment naturelle à fabriquer, à faire de la production. Parce que le phénomène qui se passe aujourd'hui, c'est que les sociétés étrangères, européennes viennent répondre aux appels d'offres au Maroc en direct. Ça veut dire que même en se plaçant en tant que distributeur d'une autre société européenne, on se retrouve concurrent d'une société qui est fabricante et qui répond en direct. Donc le pas suivant, comme je le disais tout à l'heure, il faut toujours avoir un pas d'avance. Le pas suivant, c'est de pouvoir fabriquer au Maroc pour être compétitif en termes de prix face à ces entreprises européennes qui répondent en direct et sans distributeur au Maroc. Donc il y a une marge qui est en moins. Et cette marge-là, elle n'est pas remplaçable. Ça joue énormément dans un appel d'offres ou même chez des clients privés. Alors pour terminer, comme ce que je fais avec tous mes invités de l'entretien business, 3 ingrédients pour une entreprise qui marche aujourd'hui au Maroc. Quelle est la meilleure prise ? Moi, je dirais l'investissement dans le capital humain, la proactivité et le challenge. Parfait. Merci beaucoup, Kalema El Afri. Je vous remercie. Merci à tous. C'était l'entretien business de la semaine sur Média TV. Excellente suite des programmes sur notre antenne.